Bon, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis au bord de l'eau. Bon, pour info, là je pêche à la bouillette Hergé encore. Cette fois-ci abricot, comme vous avez vu au début de la vidéo. Et j'ai pas eu le temps de vous faire un petit contact. Que j'ai eu un départ. Bon, malheureusement, le poisson il s'est barré avec mon hameçon. Bon, j'ai piqué une. Je pense que c'était une grosse coco. Et elle a réussi à m'emmener derrière un truc. Bon, je vous ferai pas voir. Je vais arrêter de faire voir les postes aussi. Parce qu'il y a des petits malins qui font n'importe quoi. Je pense qu'ils vont se reconnaître. Sûrement des petits malins qui regardent mes vidéos, qui sont pas forcément abonnés en plus. Et qui vont grignoter sur les postes. Qu'ils aillent pêcher, ils ont tout à fait le droit. Mais il faudra peut-être qu'ils respectent la nature. Là je suis sur un poste où j'étais venu faire une pêche et j'avais pas fait de vidéo, tellement j'étais dégoûté. J'ai passé ma matinée à nettoyer le poste, à ramasser les merdes qu'ils avaient laissées. Il y avait des mégots partout, non seulement il y avait des mégots, mais il y avait des, attendez que je vous fasse voir, des plastiques comme ça là, qu'ils enferment les filtres à cigarettes. Ce plastique-là, là, il y en avait partout. J'ai enlevé des boîtes de maïs doux de l'eau parce que ça avait été balancé dans la flotte. Alors vous comprenez bien que moi je m'en fous qu'on vienne grignoter sur les postes que j'amorce. Mais respectez la nature, les gars, putain. C'est incroyable. Donc ben là, je vais arrêter de faire voir les postes. Je suis désolé pour certains, je suis... Voilà. Sauf que ça sera en privé, évidemment, parce qu'on vient en privé, mais voilà, quoi. Donc je vais arrêter de faire voir les postes. Filmer les combats quand je serai pas tout seul, parce que c'est pas évident. Mais en filmant que l'eau. Et essayer de filmer les départs en direct, mais pareil, en filmant que les cannes et sans aucun paysage. Franchement, voilà quoi. Donc, mais quoi dire de plus, à part que je viens de me faire démonter par un très joli poisson, ça me fait bien chier. Mais bon, ça va, il est parti qu'avec l'hameçon. Elle m'a fait un sacré rush, j'ai vu la queue monter en surface là. C'était pas vilain. Et elle est passée derrière un truc et puis voilà. Donc j'ai pas pu la tenir et puis elle a réussi à m'arracher l'hameçon. Avec peut-être un centimètre de tresse. Donc je pense que, en espérant qu'il y ait d'autres touches, et je peux vous dire qu'il fait pas chaud. Quand je suis arrivé ce matin, il y avait 6 ou 7 degrés. Donc les eaux vont commencer à se refroidir. Et je pense que le gros poisson va commencer à se nourrir un peu plus. Bon, en espérant que les pressions atmosphériques arrêtent de faire yo-yo. C'est comme vous avez vu à la vidéo précédente, j'ai quand même galéré à faire un poisson. Parce que les pressions atmosphériques, un coup c'est orageux, un coup il fait lourd, un coup ça mouillasse, un coup il fait beau. Et ça arrête pas de monter et descendre. Je pense que c'est pas le top. Bon, je vais pas réussir à me réchauffer. Donc voilà, le poste précédent sur la vidéo précédente. Bon, c'est un poste où il faut marcher.
Puis comme vous savez, je suis handicapé. Et le soir, j'avais un sacré mal au dos. J'ai deux hernies discales non opérables et l'air sciatique. Donc faire de la marche, au moins 200 mètres à faire avec le matériel, tout seul. Et moi je sais, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi t'as pas emmené ta brouette? Mais le problème, c'est que c'est, vu le terrain que c'était, c'est un champ où il y a souvent des vaches et il y a plein de trous, de bosses. C'est quasiment inroulable. Donc j'ai le nez qui coule parce que j'ai pas chaud. Allez, je vous laisse. J'essaye de vous reprendre avec un fiche. Essayer de filmer un départ en direct aussi. Et à tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié aussi. Pour les petits crabes qui viennent sur les postes, le paysan, j'ai vu le paysan du champ là. Et bah c'est vrai que moi je l'ai vu, parce que quand je suis passé devant, j'ai dit tiens, parce que je sais qui c'est en plus. Et il y avait des voitures reculées dans le champ, pas très cool. Le paysan a gueulé, il a dit ouais, il y en a qui sont tout permis. J'ai dit, mais je lui ai dit. Bah oui, mais moi c'est pareil, j'ai ramassé la merde derrière les autres. Il me dit je sais, il me dit je sais qui c'est. Donc, je pense que faites attention à vous quand même si vous venez faire un tour dans le champ là. Je pense qu'il saura vous le dire. Ah bon, voilà quoi. Non seulement il y en a qui respectent pas la nature, mais en plus ils se permettent de rentrer les bagnoles dans le champ. Donc c'est pas trop cool. Donc l'agriculteur a vu ça. Je pense que quand il va retourner les voir, je pense qu'il n'a pas eu le temps de s'arrêter. Parce que comme vous savez, ils ont pas mal de choses à faire. Je pense que quand il va revenir, si ces petits malins ils sont là, je pense qu'ils vont se faire virer. J'ai bien l'impression, parce qu'il avait l'air très en colère le monsieur. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme quoi, faut persévérer. Deuxième départ de la matinée. Je viens de sortir cette belle petite coco de rivière encore. Un peu plus petite que celle qui a mordu tout à l'heure, mais bon. Attendez, je me mets comme ça, parce que... Je prends appui sur mes genoux, voilà. Regardez-moi cette bouche. Là, ça fait que je sais pas combien de kilos, mais bon. Voilà, big coco. Super plaisir, Bouillette RG. Donc merci Geoffrey hein, pour les petits cadeaux que tu me fais là, m'envoyer des petites bouillettes de temps en temps pour me remercier. Et des super appâts hein. Franchement de toute façon il a la même façon de rouler que moi, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site RG Bouillette, commander des appâts qui fonctionnent. Comme quoi, les appâts, quand ils sont bien placés. Et. Ah putain, c'est lourd! Comme j'ai déjà dit, si vous voulez des bouillettes à moi, c'est pareil, Geoffrey de chez RG peut vous les faire exactement comme je les fais. Pour ceux qui peuvent pas rouler, voilà. Donc je vais reblâcher ce petit poisson et essayer d'en attraper une autre. Il me reste une demi-heure de pêche. Allez, c'est parti.
Bon, les amis, résultat de cette petite pêche de matinée de 8h à 11h30. Bon, deux départs avec les bouillettes Hergé abricot. Voilà, donc merci Geoffrey pour tes bouillettes. C'est super plaisir d'avoir des petits cadeaux comme ça. Donc je leur dis, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Il a toute une gamme de bouillettes. Et il fait même des bouillettes spéciales silures qui ont l'air de pas mal marcher. Donc voilà, allez voir sur son site, commandez, regardez ce qu'il a. Et bon, je raconte pas de mytho, hein, je prends bien les, j'ai bien pris les poissons avec. Hein. Et je répète, si vous voulez des bouillettes à moi, la curry coco et la rasalmout combinée, pareil, allez voir RG Bouillette, demandez. Par contre, c'est en privé. Faut lui demander en privé. Parce qu'elles sont pas sur le site, mes bouillettes. Donc vous lui demandez en privé et il vous dira ah oui, ok. Donc voilà, quoi. Si vous voulez ces deux sortes de bouillettes à moi, il peut vous les faire exactement comme moi je les fais. Voilà. Donc, je vous dis ciao, bye bye. Et portez-vous bien, les amis. Allez, prochaine vidéo, ça sera toujours avec les bouillettes RG. Il faut que je finisse ce paquet. Là, je vais ramorcer sur ce poste-là parce que, apparemment, ceux qui viennent grignoter, là, le paysan les attend. Donc, je pense que ça les apprendra un petit peu à laisser de la merde au bord de l'eau et à rentrer les voitures dans les champs. Allez. Ciao, bye bye.